Salut, c'est Alex, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre, encore une fois, yes. On se retrouve dans ma chambre avec, pour une toute première fois, des chats qui squattent ma chambre. Ouais, y a deux putains de chats qui sont deux chats. Je vais vous faire voir. Oh, ça c'est mon chat. Ça ici, c'est mon chat. C'est Bibi. Bon, en fait, son vrai nom, c'est Bella. Mais nous, ben moi, ben nous, on, dans ma famille, on aime ça l'appeler baby, genre, mais pas baby, genre pour dire bébé, mais baby, genre 2B. Genre, mais 2B, prononçant en anglais, alors ça fait baby. Mais bon, on s'en fout, là. En tout cas, c'est mon chat. Et, oh, comme que les gens. Oh, attendez, on va reculer un peu. Oh, comme que les gentils. Oh, attendez. Non! Oh! Je sais pas si vous avez vu. Et voilà, si vous saviez pas, ces deux chats-là, en fait, c'est deux chats de la même race. En fait, c'est deux sœurs et sœurs. Et j'allais dire deux sœurs et frères. Mais non, c'est des femelles, c'est deux sœurs. Et même c'est plus que deux sœurs, c'est deux jumelles. Alors, oh, la caméra chat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu veux sortir, hein? Tu veux sortir? Mais moi, j'ai pas envie que tu sortes. J'ai pas envie. Mais vous en faites pas, genre elle miaule tout le temps, elle miaule tout le temps comme ça. Ça elle fait ça quand elle est un peu en rogne. Oh, je veux sortir ma belle. Oh, tu veux sortir. Oh, tu veux sortir. Espèce de chat qui est précieux. Ouais, vas-y, je sors. Il revient pas. Non, je blague, reviens. Et voilà, c'est ça une vie, la vie d'un chat. Non, mais en fait, tout à l'heure, genre, elle a genre fait genre une espèce de miaulement de tigre un peu désagréable. Parce qu'en fait, elle, c'est pas le cas pour ce chat-là, qui est idiot. Mais le chat, mon chat qui est parti de là, en fait, elle, genre, c'est un chat capricieux. Mais c'est vrai, c'est genre, c'est la vétérinaire qui nous a dit ça. C'est un chat capricieux, et lorsqu'on lui donne trop d'amour, trop d'attention, genre elle va chercher à refuser cet amour-là, même si elle en a besoin et qu'elle en cherche. Dès qu'on va trop la prendre dans nos bras, trop l'embrasser et tout, ce qui est une chose que j'aime faire avec mon chat. Pas chat, mais tu nous vois. Putain, regardez comme elle nous regarde. Hey! Non, il n'y a plus. Mais bon, voilà, mon chat qui est parti. J'aime pas donner beaucoup d'amour, mais il arrive. Mais elle ne va pas. C'est rare qu'elle va jusqu'à morte. Il griffe, donc elle n'a pas griffé, mais elle a été griffée. Mais c'est rare qu'elle va jusqu'à morte. C'est presque. Ça arrive jamais. Et. Oh putain. J'ai passé par j'aime de tomber dans le fil et voilà, en gros c'est ça, un chat capricieux, et l'autre là-bas qui est complètement perdu, fait jamais rien. Mais aussi ça, c'est un truc pourquoi j'aime plus les chiens, ils sont plus actifs comme ma Mimi. Alors je crois que c'est tout pour le moment, on se disait tout à l'heure où à jamais. Salut les mecs, on se retrouve sur Ouva. Ça va Alex? Ça va super bien, et vous? Ah, ça va, écoute, ça va très bien, je t'ai ramené mon beau fantastique. Ouais, mais là votre caméra bug les amis, je vous vois plus. Ah, là c'est bon. La mienne ou celle d'Alex? Ah non, là c'est bon, je te vois. Voilà. The Fantastic Faces. Le Fantastic Faces. Ouais. Check that out. Le Fantastic Faces de Loris. Oh, mais comme il est joli. La personne à côté de vous n'est pas morte, hein. C'est un ami. Ouais, c'est Flo, un acteur. Un grand acteur. Ouais, acteur de talent.
Dis un mot, putain. Voilà, je prends un numéro. L'acteur qui parle à la caméra. Donc je pense qu'on va arrêter là parce que s'il ne nous voit plus, ça sert à rien. Ouais, c'est un peu casse-couille. Ouais.